suis Justin Kanepo, le maire de la commune de Zanyanando. Un an pendant lequel nous avons pratiqué effectivement les réformes dans le secteur de la décentralisation, et on peut en parler. On peut parler de ce qui est bon et ce qui est à revoir. Moi, je pense que le porteur, celui qui porte ces réformes-là, est un devin. C'est quelqu'un qui réfléchit moins, qui prévoit beaucoup, parce qu'il faut être élu pour savoir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, ces réformes dans le secteur de la décentralisation sont venues pour protéger les politiques que nous sommes. Protéger les politiques parce que le politique n'est pas appelé à être technique nécessairement. Il n'est pas dit que moi, politique, je dois avoir des connaissances dans le domaine des BTP, par exemple, dans le domaine des finances, dans le domaine foncier, ainsi de suite. Alors, c'est en cela que le président de la République, le président Patrice Talon, a vu que pour faire décoller effectivement le développement à la base, il faut séparer la fonction politique de la fonction technique. Parce que le politique n'est pas appelé nécessairement à être technique. Et c'est ce qui a amené les réformes. Et désormais, le maire connaît le couloir dans lequel il va agir. Et le secrétaire exécutif, qui désormais est le gestionnaire de l'administration communale, c'est aussi le couloir dans lequel il va rester. Je crois à mon humble avis que si ces deux acteurs font bien ce qu'ils doivent faire, à la fin, les résultats doivent quand même faire booster le développement de la commune concernée. Parce que nous, politiques, nous sommes issus quand même de la population et donc des partis politiques. La population, ou bien les populations qui nous ont élus, nous leur devons certainement. Je vais prendre juste un exemple. Je suppose qu'il y a un travail à faire ici où c'est peut-être un petit recrutement de 10 personnes pour la commune de Zanyanando. Vous allez voir que des gens qui vous ont élus, vos militants, on veut 10 personnes, mais vous allez recevoir plus de 1000 dossiers. Du coup, vous restez perplexe devant la situation. Vous dites, mais qui faut-il satisfaire? Qui faut-il ne faut pas satisfaire? Alors que le SE, si c'est lui qui doit mener l'opération, lui, il a la main libre. Il n'a pas de pression. Il n'est pas venu ici. Personne, ce n'est pas un de nos militants qui l'a fait venir ici. Lui, il a la main libre. Il est technique pour dire, c'est telle personne qui est bon pour le poste, c'est tel autre qui est bon pour le poste. Et à la fin, on doit avoir un travail digeste et sérieux. Je crois que le porteur de ces réformes-là, on doit prier pour lui. Prier pour lui parce que nous, conseillers, parce que le maire, quand le maire était ordonnateur du budget, tous les jours que Dieu fait, c'est qu'on dit toujours du maire que c'est lui qui est en train de tout bouffer. On dit du maire que c'est lui qui est en train de tout bouffer parce que c'est lui qui est en contact direct avec les projets à faire dans la commune. Est-ce qu'il y a des gens qui lui sont venus lui rendre visite, tout ça. Donc, les conseillers, il y a toujours de suspicions entre les conseillers. Donc, ces réformes sont venues aussi pour apaiser, pour mettre la paix entre les politiques que nous sommes. Depuis que le SE est venu, moi, je vois et je crois qu'il y a un climat d'apaisement qui s'est installé entre les élus que nous sommes. Parce que d'abord, le président a essayé de faire la part des choses. Le maire, désormais, moi, j'ai pris service ici, il n'y avait même pas une moto pour moi. Mais le président de la République a laissé à la disposition du maire de la commune un véhicule et les émoluments que nous recevions, moins de 120 000, aujourd'hui c'est amélioré. Je crois qu'avec ça, nous avons le devoir d'accompagner les réformes là pour que ça aille. Parce que plus nous allons accompagner pour que ça aille, plus nous-mêmes à la fin, nous allons trouver notre compte. Trouver notre compte, c'est qu'à l'heure de reddition de compte, on va dire, mais ces gens-là, quand ils sont restés, quelque chose a été fait. La commune a quitté quelque part d'autre où on va constater nettement les avancées. Les réformes là, on doit les accompagner. Moi, maire de Zanyanando, Justin Kanepo, matin, midi, soir, je dois accompagner ces réformes là pour que ça soit une parfaite réussite. Je crois qu'à Zanyanando, il n'y a pas de problème majeur. Problème majeur entre les cadres tirés qui sont venus ici et ceux qui étaient là avant, je ne pense pas. Donc, tout ce qu'il y a ici, c'est de revoir la relation entre le SE
entre le SE et les politiques et entre le SE et ses cadres techniques. Sinon, ici, à Zindo, tout va bien. C'est tout comme si le président Patrice Talon a fait ses réformes parce qu'il y a un maire qu'on appelle maire Justin Kanembo. Il m'a protégé. Ce n'est pas évident que moi, je puisse quand même rester dans l'ancien système et finir sain et sauf. Ici, non, ce n'est pas possible. Finir sain et sauf où on ne va pas trouver quelque chose à me coller. Je ne pense pas. Aujourd'hui, je ne j'ai pas l'argent, je ne sais, j'ai pas les ressources humaines. Et même si on veut me dire des choses de moi, c'est que ce ne serait pas des choses où on va dire il a détourné, il a volé. Parce que là, désormais, ce n'est pas moi, c'est le secrétaire exécutif. Il n'y a aucune pression qu'on puisse quand même faire sur le secrétaire exécutif pour qu'il puisse nous laisser la main pour faire ce que nous voulons. Donc, franchement, moi, quand je vois ce qui est bâti pour les réformes, où on a, il y a les organes. Il y a les organes politiques. En l'occurrence, les organes politiques, c'est le maire, c'est le conseil de supervision, c'est le conseil communal. Quand vous voyez le rôle de chaque organe, vous voyez que c'est réfléchi. C'est vrai, il y a des choses à revoir, mais je vous jure que c'est bon. Les organes techniques, c'est le secrétaire exécutif avec ses collaborateurs. Si tout, si chacun de nous respecte ce qu'il doit respecter, je crois qu'in fine, on doit pouvoir avoir de très bonnes choses pour les réformes. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et nous ne sommes qu'au début de ces réformes-là. À Zanyanando, c'est un peu difficile pour le maire pour le maire, la relation entre le maire et le secrétaire exécutif est un peu difficile. Difficile parce que il n'y a pas souvent de compréhension. Il n'y a pas de compréhension. Non pas parce qu'il y a quelque chose à partager qui n'est pas partagé, non. Mais il y a le respect que je vous dois et que vous me devez en retour. Nous sommes humains. Moi, je suis un élu. Même si vous êtes mon père et que vous venez ici, la loi dit que le maire est la première autorité politico-administrative de la commune. Et en tant que tel, je représente ici près de 80 000 habitants. Et on me doit, il me faut un tout petit peu de respect. Pas pour ma personne, mais pour le poste que j'occupe. Vous voyez. Et quand ça va dans tous les sens et ça bavarde, moi je ne suis pas d'accord. Mais toujours est-il que je vais faire ce qui est de mon devoir pour qu'il y ait apaisement. Qu'il y ait apaisement parce que rien n'est gâté ici. C'est vrai que c'est très difficile, la relation entre le SE et moi. C'est difficile. Il est venu travailler, c'est un technique. J'ai le devoir de l'accompagner. Mais faudrait-il qu'il me donne ma place de responsable? Faudrait-il que lui aussi me considère? Faudrait-il qu'il ne me voie pas comme un adversaire? Lorsque on se regarde dans un chien de faïence, c'est ma commune qui va perdre. Mais à un moment donné, moi, je suis obligé de mettre par terre mon ego pour faire pour que ça évolue, parce que tout ce que le SE va faire, c'est le maire qui va rendre compte après. Ce qui veut dire que si c'est bien fait, moi je vais rendre compte en souriant. Si c'est mal fait, c'est que je vais pleurer, je vais commencer par gratter la tête devant la population. Donc je n'ai pas intérêt à ce que ça soit mal fait ici. Quel que soit ce qui arrive, on va aller chercher les voies par lesquelles il faut aller pacifiquement se comprendre et gérer pour que ça aille bien. Ah oui, ces réformes-là ont eu de très beaux jours devant elle parce qu'il y a des choses que nous entendions que nous n'allons plus entendre. Il y a des choses que nous entendons. Ça a changé. Je vous jure que ça a changé. Et moi, je dis sincère merci à tous ceux qui ont réfléchi pour qu'on ait ces réformes-là. Zanyanando est une commune purement rurale, une commune agricole d'ailleurs. Perspective, c'est la maîtrise de la gestion de la cohabitation entre nos frères éleveurs et les agriculteurs que nous sommes. On va tout faire pour que cette cohabitation-là soit très pacifique. Pacifique parce que jusque-là, on ne trouve pas, on ne sait pas comment s'y prendre pour y arriver. Pas plus tard que hier, nous avons discuté encore avec le nouveau DDPR. On est à pied d'œuvre. À part le problème de la transhumance à Zanyanando. Zanyanando aujourd'hui, la jeunesse de Zanyanando a besoin d'un terrain de football, d'un terrain de sport. Zanyanando a besoin de son terrain de sport. Et il faut nécessairement que nous allions quand même à là. Zanyanando a besoin d'un lotissement sérieux. Où il faut savoir où vont passer les voies. Où il faut savoir où on peut poser les réseaux de l'électricité et de l'eau. Zanyanando a besoin de ces choses-là. Et je crois que nous, conseillers en conseil de supervision et en conseil communal, et il n'y a pas de divergence entre nous.
Nous sommes comme une mouvancière parce que les deux tendances, en l'occurrence moi, mon parti, le Bloc républicain, et le parti de l'Union progressiste, le Renouveau, nous sommes tous des partis de la mouvance, donc nous sommes une commune mouvancière, et donc nous avons l'obligation de marcher dans les pas du président de la République. Ces pas-là, c'est déjà tracé, une demande de gérer dans la transparence. Et la gestion dans la transparence voudrait quand même qu'on puisse quand même faire régulièrement la reddition de comptes aussi. Ceux qui nous ont mis ici, c'est notre devoir de leur dire, vous nous avez mis ici, mais voilà ce qu'on a pu faire. Voilà ce qu'on n'a pas pu faire. La grande difficulté de Zéando aujourd'hui, c'est ça, je viens de vous dire, la transhumance, le lotissement qui est en train de tanguer sérieusement ici. Et Zéando, la jeunesse de Zéando a besoin de son terrain de sport pour s'entraîner, pour aller au sport comme toutes les autres jeunesses du pays. D'ici, Dieu nous aide à avoir une petite maison, une petite case. On doit quand même pouvoir payer les impôts sur ça. Si c'est 1 000 francs, on doit payer. Nous allons montrer nos quittances pour dire, voilà, nous, là, on a déjà payé. Ce n'est pas facile pour notre population, mais on est dedans. La sensibilisation suit son cours. Il faut nécessairement de l'argent pour réaliser les projets que nous inscrivons chaque fois dans nos budgets. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais il nous faut nécessairement des ressources propres à nous-mêmes pour faire nos propres ambitions aussi. Donc, en ce qui concerne la motivation qu'il faut donner à la population pour que, elle puisse quand même comprendre que payer ses impôts, c'est d'abord un devoir civique. Nous, c'est un exercice très difficile, mais on y est. Nous y sommes, on est en train de discuter avec la population. Chaque jour que Dieu fait dans les arrondissements, dans les villages, on fait comprendre à la population que on ne peut que se on peut se développer que par les impôts, parce que nous n'avons pas d'autres richesses. Donc, ça ne va pas rater, on va tout faire pour que.